immigrants. Sera de bon ton, car elle a attiré la gente aux bonnes manières. Ne saluez-vous pas. J'apprécie votre présence sur ce champ de bataille, et je vous en remercie. Voilà notre armée. En la joignant, vous lui rendez hommage. Je ne rends hommage qu'à l'Écosse. Et si cela est bien votre armée, pourquoi s'en va-t-elle alors? Parce qu'on n'a aucune envie de se battre pour les nobles. Ras-le-bol, les Anglais, il y en a bien trop. Écoutez, fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Ouais, je vais vous dire ça. Tu tues les hommes par centaines aussi. Et s'il était ici, il aurait déjà consumé les hommes derrière en lançant des boules de feu par les yeux. Et de puissants éclairs par le derrière. C'est moi, William Wallace. Et je vois devant moi tous mes compatriotes. Osant défier enfin la tyrannie. Vous êtes venu vous battre en homme libre. Parce que vous êtes des hommes libres. Allez-vous vous servir de cette liberté? Et vous battre? Non, pas pour cela. Entre une telle force? Non, on va se sauver. Et on va vivre. C'est vrai, la guerre peut vous tuer, la fuite vous laisser encore quelques années. Mais quand vous serez sur vos lits de mort, plus tard, dans bien des années, êtes-vous sûr que vous ne souhaiterez pas vouloir revenir en arrière et pouvoir échanger ces années contre une chance, seulement une chance, de revivre ce jour et crier à nos ennemis qu'ils peuvent nous ôter la vie? Et qui ne nous ôteront jamais la liberté!